Salut. Bon alors, je vais vous donner une info déjà, j'ai déjà fait cette vidéo encore une fois, et je me suis rendu compte, alors là c'est vraiment con, hein, que j'ai oublié d'enregistrer le son, donc enfin, voilà, donc je connais à peu près par cœur du coup, enfin je connaissais déjà par cœur mais là encore plus, donc on va voir des petites scènes dans le village, elles servent à rien, c'est juste comme ça. Vous voyez, il parle que de feu à chaque fois. Ça c'est con ça. Pourquoi tu n'utilises pas ce soin sur moi, tu sais. Ah, je me suis fait piquer par une abeille, bah utilise antidote, c'est ça. Bon. Il y a une deuxième scène, je crois qu'on pourrait voir. Ah, pourtant il m'avait semblé l'avoir l'autre fois. Ah oui, voilà. Ouais, un gosse qui utilise la magie feu là. Enfin, il y en a un qui parle de soin, donc vous voyez, il sait faire de la magie. Alors je vous rappelle que la magie n'existe plus. Hein. Donc là, hop, on part là. Oui, je vous avais dit une grosse connerie à la précédente vidéo que. Il y a une scène avec comment? Ah, Léo, mais c'est pas maintenant en fait. Alors voilà, ça c'est un perso. Hein. C'est très beau. Donc il a un peu une gueule de bourré sur le menu. Donc là ils font genre ils connaissent pas la magie, jamais entendu parler Esper magie, ils connaissent pas. Alors qu'il y en a qui. Il y a même les gosses qui balancent feu et soin. Enfin, bon. Ça c'est le perso que je lui ai dit que je mets pas. Donc en fait ça fait deux persos d'un coup. Hein. Enfin on va pas les avoir maintenant, vous doutez bien. Voilà, c'est une peintre. Donc les capacités des deux persos. Alors le vieux, ben, c'est un espèce de match boy. Il apprend les techniques de l'ennemi. C'est pas comme Go. Hein, c'est quand il se l'apprend, après il peut la faire. Hein, il a une liste et puis il peut toutes les utiliser quand il veut. Alors que Go, il se transforme et on peut plus le contrôler. Et la fille, donc c'est une peintre. Donc elle peint les ennemis et ça fait une attaque. Alors là, ça c'est très très important. Sans déconner, c'est important. Parce que Shadow, je vous rappelle, son chien il est méchant, etc. Et là... Surprise, le chien va avec Realm. Alors ça cache un truc. Hein. Forcément. Vous voyez, c'est bizarre quand même. Hein. Donc ça, il faut vous rappeler que le chien de Shadow aime bien Realm. Intercepteur, il est marrant son nom. Donc là la musique est assez sympa, marrante. Donc là en fait pour continuer le jeu, faut passer à l'auberge. Ah tiens. Donc là on va voir l'ancien par exemple. Ils font encore genre ils connaissent pas, alors qu'on a même vu des gosses le faire. Alors, c'est bon, c'est très bien qu'ils connaissent la magie. Et donc on va éclaircir ça en allant dormir à l'auberge. Vous voyez un Gilles déjà, c'est pas trop bizarre. Donc ça se voit que c'est pour continuer l'aventure. Ah, c'est marrant, Shadow, on voit même son chien qui dort à côté.
crois qu'il y a même Interceptor qui est parti. Voilà, Shadow vient pas avec nous, hein, il préfère dormir. Donc là, il y a le feu. Ça, c'est bien fait d'ailleurs, on voit la nuit. On voit les maisons qui sont plus rouges. Donc le feu, il est là. Hein. Je voudrais pas dire, mais c'est super réaliste comme truc. T'es. Oh bah, elle sera peut-être morte hein, depuis le temps, c'est. Hop, de la magie. Donc voilà, en fait ils savent faire de la magie. Voilà, elle était interdite, c'est pour ça que personne ne la faisait. Et je dis des commentaires vachement constructifs, je fais que répéter ce que vous voyez déjà. Je sais pas quoi dire. Enfin là je suis en vacances donc j'enregistre les commentaires. Je vais pas applaudir comme un malade parce que je voudrais quand même que vous voyez les vidéos. Hein. J'attends en général qu'il y ait 20 ou 30 vues avant de les mettre. Avant c'était 20, maintenant c'est plutôt 30 parce que je n'y croyais pas, mais FF6 a beaucoup plus de succès que Golden Sun. Tant mieux, hein, parce que moi je préfère largement FF6. Est-ce que c'est parce que c'est un FF? Je sais pas. Mais bon, je suis content que. Ou alors c'est moi qui gagne en popularité. Mais... J'espère que c'est ça. C'est con, aussi. Il y a trop de baguettes de feu à l'intérieur. Ça, ça c'est l'éclat dans ce FF parce que les objets et tout ça, ils en parlent. Enfin, c'est n'importe quoi. Et hop, là on est obligé d'y aller. Hein. Donc voilà. Alors. Tintinabar. Bon, elle va prendre une deuxième boucle d'oreille. Allô, c'est bon. Voilà, comme ça elle est encore plus puissante. Et lui il va nous mettre chérubin alors. Flotte, attaque contre attaque, ouais. Régène. Bon, qu'est-ce que je pourrais lui mettre? Chaussure, il a pas, chaussure. Ah, chaussure et basket. Donc le gars il a une chaussure de différente à chaque pied. Hein. C'est pas grave. Et on a toujours le Tintinabar de Loquet, qui est très utile, qui nous régénère quand on marche. Alors comme ça on verra si ça régénère tous les persos ou un seul. Donc on peut esquiver les flammes, mais c'est vraiment pas facile. Ouais. J'ai réussi à en esquiver deux, c'est un miracle. Hein, merde, j'ai oublié de l'équiper. Quel con. Et lui je lui mets un truc de feu, mais quel... Quel pine. Là sur ce coup là je vais rentrer n'importe quoi. Alors lui il a une magie d'eau très sympa. Alors, lui il a pas un tas. Toi tu bouges pas, tu vas faire des conneries encore. Voilà, donc c'est une magie d'eau sur tout le monde et là c'est super efficace hein, comme vous voyez. Bon, je vais changer un peu l'inventaire parce que j'ai fait n'importe quoi. Alors, première chose à faire. Ok, on va lui mettre Blizzard. Donc il fait des dégâts de glace maintenant. Et il vole en même temps. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Non, il a équipé Strago. Merde, j'ai oublié d'acheter la baguette de glace. Bon, tant pis. Il n'y a qu'à crever. Alors, putain, j'ai oublié d'acheter des équipements. Je suis vraiment un gros blaireau. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui mettre? La morune. C'est bien ça, la morune. Esquive. Je vais augmenter quoi tiens? Je vais augmenter l'esquive tiens. Alors est-ce que. Voyons voir les points de vie. Alors lui ça augmente, ok. Il a 631 Strago. Je regarde si, si ça soigne tout le monde le Tintinabar. 631. Non, ça soigne que Loki en fait. Bon tant pis. Non, je vous dis, ça, ça a l'air facile, mais en fait, c'est pas facile d'esquiver les trucs. Donc là, faut pas être con, faut attaquer ceux qui sont de dos par rapport à nous. Comme vous voyez, deck de glace, enfin, bizarre, ça passe mal. Donc, ouais, en fait, dans la précédente partie,
que j'avais déjà filmé cette vidéo, hein, je vous l'ai dit. J'avais acheté ouais, une baguette de glace pour Strago. Donc il faisait d'énormes dégâts, mais voilà. Du coup j'ai oublié. Donc j'ai pas d'équipement, mais c'est pas grave, je ferai sans. Je ferai sans. Quel con. Là ça paraît facile, mais je vous jure c'est dur. D'esquiver les ennemis. Parce qu'en fait, quand ils sont à côté de nous, on est bloqué, on peut pas bouger. Et après, ils vont devant nous et voilà. Donc on est obligé de crever. En fait. Donc ouais, les armes élémentaires comme ça, ça c'est sympa. Parce que non seulement ça peut faire du dégât comme vous voyez. Mais en plus... Ah mais putain j'arrive pas à passer, c'est con. Mais en plus des fois ça lance le sort glace. Ou glace 2, ou enfin ça dépend de l'arme. Alors j'ai vérifié, on peut, quand on fait capture, le truc qui vole et qui frappe en même temps, on peut, ça lance quand même le sort glace 2 aléatoirement l'arme. Alors qu'est-ce que je voulais faire, tiens, j'ai oublié de faire ça. Donc unicorn, lui il en a pas, tiens. Alors, je vais mettre des trucs de soin, ce genre de trucs. Tiens, ça peut être sympa, ça. Hop. Quoi qu'en fait, non. Je vais lui enlever ça. Je vais lui mettre un truc de soin, voilà. Et lui, je vais lui mettre ça, celui-là. Voilà. Ça, ça ira comme ça. Alors, là, ne pas ouvrir cette porte, non, il y a plein de boules de feu qui sortent. Je me rappelle, je l'ai fait à la partie précédente. Putain, elle fait tout le temps des coups critiques, elle. Oula, ça, c'est un coup critique, putain. Donc oui, vous voyez que les éléments sont très importants. Putain, je fais que des coups critiques. Alors, voyons voir cette porte. De toute façon, nous, on n'a pas trop le choix. Ah, putain. Je vais pas aller vite, ça sert à rien. Donc là, inutile de battre toutes les flammes, etc. Ça sert strictement à rien. Bon, il n'y a pas de temps, et ça c'est génial. Parce qu'en général, quand une maison crame, il y a du temps, mais là non. Alors je sais pas trop où aller, hein, je loupe pif. Je loupe peut-être des coffres, mais. Ah bah tiens. Voilà ce que j'attendais. C'est pas la peine d'en acheter un, en fait. Tant mieux. Je dois louper des coffres, hein, mais c'est pas grave. Donc ça c'est le boss. Je pense pouvoir le battre. Hein. Je dis bien je pense. Donc lui il va tout le temps utiliser Ratisso pour détruire tous les trucs. Bon lui ça. Et elle, glace 2 avec du bouc d'oreille, ça va faire du dégât. Pas très mal en plus. Hein. Bon, voilà, c'est un lance-glace quoi. Ça, je l'enrouille, je suis là. Oh non! Oh putain. Ah non, je suis là, c'est pas une magie donc c'est bon. Parce que ça envoie les magies bien, c'est pas fait. Et voilà, on tue un boss facilement. En même temps, les boss élémentaires, on se les fait comme on veut.
Donc indispensable d'avoir eu Madu 1 pour apprendre à Terra. Glace 2, Foot 2, Feu 2. Hein. Ouais, super, c'est trop le moment de faire un sketch. Hein. Et là, Interceptor était ici. Donc il est en train de sauver Realm. Ah, il aime vraiment Interceptor. Vous verrez pourquoi beaucoup plus tard dans le jeu. Quel rapport entre Interceptor, donc Shadow et Realm. Tiens, ils vont se faire massacrer. Et hop, Shadow vient rechercher un Interceptor. Bon, Shadow, c'est pas le genre de gars à aider les gens, mais bon. Voilà, là, il se fait 5 flammes à lui tout seul. En fait, Shadow, ça a pas l'air, mais c'est un petit enfoiré. Pire que Kefka. Donc, il va pas se retourner contre nous, hein, donc c'est pas des spoils ce que je vous dis, mais on verra pourquoi quand on verra son passé. Enfin, pas pire que Kefka, mais voilà. Donc je vais vous laisser là. Donc à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé celle-là. Et que j'aurai plus de trucs à dire à la prochaine. Donc salut.